naturellement, après la mort, c'est la résurrection. Il ne peut pas avoir de résurrection dans la vie d'un vivant. Ce thème vient se manifester dans la vie des morts. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Et je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mon Dieu te poussera plus loin que la mort. Aller plus loin que la mort, c'est sortir de la tombe, c'est sortir de la mort, et c'est accéder à ce qu'on appelle la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans qu'il y ait eu mort. C'est la raison pour laquelle, quand des gens arrivent au stade de la mort, faites très attention. Le niveau de la mort est un temps de sélection, c'est un temps d'épuration de tes motivations, de tes pensées. C'est un temps de sélection de tes amitiés. C'est là même parmi tes parents que tu sauras qui t'aime et qui t'aime pas. Ça commence en famille d'abord. C'est très facile de se retrouver autour de quelqu'un qui est béni. Et c'est très difficile de se retrouver autour de quelqu'un qui a perdu ce qu'il avait. Mais ce sont ces moments qui te permettent de savoir qui est qui.